enfants, mais comme ça quoi. Ça va les enfants? Tout va bien? Voilà, des enfants comme ça tout le long du voyage. Extraordinaire. Je suis tellement fière de mes enfants, genre je les trouve tellement adorables et gentils que je serais capable d'en refaire d'autres plus. Non? Non, mais ils sont très gentils, non, ça, mais c'est vrai. Incroyable, genre mais des putain, j'attends amours. Rien. Pas mal. J'ai les oreilles bouchées. Je ça crois. Vous a déjà fait en plein quand on était dans la descente de la montagne, il a commencé à me dire que mes oreilles sont bouchées. Et depuis qu'on est descendu de la montagne, donc ça fait longtemps maintenant, ça fait 3 heures que ses oreilles sont bouchées. Ça vous a déjà arrivé? Et ça reste. Bon, et bien il est 18h35, je viens de finir toutes les valises, il ne me reste plus que 3 bricoles à ranger sur le lit là, c'est rien du tout. Je viens de faire couler le bain, papa il va faire le bain pendant que je continue le petit rangement. Et voilà, franchement c'est parfait. Ça va ma Lily? On est parti pile quand il fallait. Tu vas à la douche mon amour? Tu vas au bain mon cœur? Oui. On est parti pile quand il fallait. Vraiment. Bon timing. Ça fait plaisir de rentrer après les vacances. Une fois que t'as fini la route, t'es bien content de rentrer. Regardez, en plus tout est rangé. Tout est nickel. Tout est propre. Le sapin, je crois que je vais pas le décorer. Je le trouve trop joli comme ça. Vraiment, je trouve qu'il est magnifique. J'adore. Allez. Tiens, chope-moi le ce bras feu. Toi aussi, tiens. Ah ouais, du coup, elle a fond Pokémon, elle aussi. Ah, quelle horreur. Tiens. On est carrément dans le truc là. Allez, après on fait. Après on va se faire une bonne histoire. Et un bon dodo. On va essayer de se regarder le tailleur. On va essayer de continuer, c'était trop bien. Et voilà, franchement on a passé une trop belle semaine. Vraiment magique, 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 magique. Bon, ça y est, on est au lit. On va se mettre le tailleur. On a passé un bon voyage. Là par contre il est 20h, je vous explique. Je pense qu'à 21h on dort. Allez, bonne nuit, chers. Tu dis bonne nuit à ma communauté, s'il te plaît. Bonne nuit, la commu. Où vous êtes? Des cœurs. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On s'est réveillé là. Je traîne un petit peu, mon mari est en train de faire les médicaments aux enfants et tout. Je me suis chopé la crème le dernier jour du ski. Tu crois toi, je passe 5 jours. Le dernier jour, je me chope la crème. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait. Attends. Ils sont là. J'avais fait des petits bouchons de nez. Ah, carrément, j'étais à bout. J'ai dormi avec des trucs comme ça dans le pif. Ah non, mais c'est pas marrant. Ah, c'est pas marrant. Je déteste être dans cet état parce que je suis pas malade, genre de. C'est pas malade de fou, genre. C'est juste un malade de relou, tu sais. Genre un malade, t'as le nez un peu pris, t'as la tête un peu lourde. Tu vois, ce genre de malade. Je suis ce malade-là. Ce malade pas marrant. Soit t'as une bonne crève, soit t'as rien. T'as pas ça, genre. Je vous explique, là, je suis sortie du lit en une minute. Je suis encore en pyjama dessous. J'ai mon pyjama, vous savez, ma robe de pyjama. Henriette avec marqué best mom, mais en fait je triche, tant pis, je fais comme ça, comme ça. Je dois absolument, et le frigo, je vais vous le montrer avant de partir, vous allez voir, c'est un frigo inédit, un frigo délire. Là je mets vite la crème, je me suis quand même nettoyé le visage parce que autant que j'arrive à sortir en pyjama, je me fiche, autant sans brosser les dents, m'hydrater le visage et mettre de la crème solaire. C'est juste pas possible. Voilà. Et après je rentre, je me lave les cheveux, je me fais une bonne douche. Ça va faire grave du bien. Je vous mets mon code promo d'ailleurs pour Gilor, comme ça vous pouvez en profiter. C'est bientôt les fêtes. Là si vous commandez maintenant, bien sûr que vous recevez avant, hein, pas d'inquiétude. Mais dépêchez-vous. Je vous mets mon code promo. Dernière ligne droite pour profiter des moins 40% pour faire ces cadeaux des fêtes de fin d'année. Voilà. Allez. C'est trop rigolo parce que là on vient de partir faire les courses. Après on part faire les courses à tout le monde qui arrive à la maison. Ouais, je vous jure cette maison elle est incroyable, je l'aime trop. Là il y a mon frère qui arrive, Jamel qui arrive, tout le monde arrive à la maison. Ma mère qui vient, ils mangent à midi avec nous et mon père.
C'est vraiment une maison où tout le monde débarque. C'est trop bien. C'est une ambiance. En plus, pendant les fêtes, encore plus, j'adore. Enfin, les fêtes aussi, à l'été, j'adore. Parce que l'été, c'est la piscine et tout. T'es à la piscine, il y a des gens qui arrivent et tout. C'est trop bien. Voilà, donc là, Jamel vient dormir à la maison. Jamel, c'est le genre de mec, vous savez, vous lui dites tu viens à la maison le dimanche 16. Ben, le mec, tu sais, il te redit pas qu'il vient. Mais on sait qu'il arrive. Lui, il a noté dans son petit agenda. Je vais chez Jesse Thibault. Il te dit pas, je pars de chez moi. Quoi. Il arrive, d'un coup, il est devant ton portail et il sonne. C'est trop drôle. Donc là, normalement, il devrait arriver aujourd'hui, je pense. Il m'a pas recrit, mais il devrait débarquer d'une minute à l'autre. Bon, après les courses, direction la pharmacie. Je vais acheter du pchit pour le nez. Enfin, je vais voir ce que la pharmacie me conseille. Je n'ai pas de fièvre, rien. Hein. J'ai juste prise. Donc voilà. Hier, on a regardé le tailleur. Oh, j'aime trop cette série. On a regardé pas mal d'épisodes. J'ai rien, au moins 3 ou 4, non? Ouais, 2, 3. Ouais, on était dans une bonne lancée. On s'est mis au lit très tôt. Donc c'est cool. Oh là, grosse ambiance dans la voiture. Hein. Ouais, allez, c'est bon. Je suis sortie de la pharmacie. On nous a donné pour faire des lavages de nez. Pour quoi? Des huiles essentielles aussi. Voilà, ça va le faire. On se remet d'aplomb avant les fêtes de Noël. Hors de question de passer des fêtes de Noël. Malade. Et encore là cette semaine, on voulait repartir quelque part, mais bon, du coup, je pense que là ça va être mort parce que plus dans l'état qu'on est, c'est pas un plaisir. Mais on voulait se faire encore du ski. Hein. On est vraiment des skieurs fous quoi. On va finir au moins à Dubaï, ça va aller très vite. Non, mais on voulait se refaire quelques jours de ski sans les enfants, genre vraiment en mode papa maman, 3-4 jours, mais bon, du coup. Je pense que ça va pas se faire. Mais bon, le principal c'est qu'on soit redaplomb avant les fêtes de Noël. Là, je vais rentrer à la maison, je vais me boire un bon café parce que du coup, on n'a pas déjeuné, on est parti en pyjama et comme je vous ai dit, je rentre, je me fais un café, je me lave et tout. Je me mets bien, d'aplomb. Bon, ma maman elle est arrivée, elle a cuisiné du coup pour tout le monde. Je vous explique, c'est pas pareil quand c'est les mamans qui cuisinent. Hein. Tiens, maman, je te laisse ouvrir. Elle nous a fait à manger, je vous explique, il y en a une tonne. Elle a fait de la viande, voilà, avec des petits œufs mimosa, que des trucs trop bons, et de la purée, c'est pas pareil là. Et voilà, je vais pouvoir me laver les cheveux. J'attendais ce colis avec impatience. Je suis trop contente, j'ai toute ma gamme. J'avais mes shampoings à Dubaï, je les avais pas ici. J'aime tellement cette gamme que je vais pouvoir me faire un bon shampoing, un bon soin. J'en ai bien besoin parce que du coup, quand j'étais au ski, je me suis pas lavé les cheveux. Bref, la base Myriam K, j'aime trop. Absolument, je vous montre ma dégaine. Attendez, je vais vous montrer. Posez ça. Non mais regardez la dégaine. Non mais s'il vous plaît. Bon, ça tout à l'heure c'était rentré pour aller aux courses. J'étais comme ça. Voilà, je sais pas, au milieu de journée je me suis retrouvée comme ça. N'importe quoi. Je suis partie. Je suis sortie comme ça. Je suis arrivée à la pharmacie, je me dis oulala, ça va pas bien fort aujourd'hui. Je dis ah bah non, ça va pas trop. Non, encore ça, franchement, je me plains pas, c'est rien, c'est qu'un rhume. Bah c'est peine pour ça, mais c'est tellement emmerdant, un rhume, c'est relou. C'est relou. Je vais me faire une bonne douche. Je vais me laver les cheveux. Ah, je vais me mettre bien. Ça va me faire du bien déjà de faire une bonne douche bien chaude parce que je suis glacée. Ah, et voilà. Ah. Allez, ma mère et mon père, ils viennent de rentrer chez eux. Il y a mon frère Bradley qui est passé. Ah, ben non, il y a mon père, il est là. Comment ça, papa? Il y a toujours quelqu'un de toute façon, je crois. Tu comptes, ça va? Ça va, chérie? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, bon, tu pars? Je vais te dire, parce que. Ah, ok. Voilà. Je croyais qu'il était déjà parti, mais non. Bon, c'est bon, du coup, je vais leur dire au revoir pour de vrai. Je savais pas, je pensais qu'il était parti. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ma mère, elle avait fait un trop bon repas, zéro goût. Genre, zéro goût, trop nul. J'étais en train de boire un café. Zéro goût. Oh. Je peux pas maquiller quand je suis dans cet état, c'est impossible. Vous êtes team malade qui se maquille ou team malade qui se maquille pas? Je ne peux pas. C'est-à-dire que si c'est pour être toute maquillée, d'avoir toute cette partie démaquillée parce que tu fais que te boucher, je trouve ça minable. Encore pire que si t'es démaquillée que tu ressembles à rien. Allez.
Bon, on a fait un bon repas, normal, un repas normal. Ma mère a cuisiné, donc du coup, ben, c'est pas pareil, hein, on a mangé correctement. Je crois que c'est mon seul bon repas du mois de décembre que j'ai fait. Enfin, je veux dire, bon, tout était très bon de ce que j'ai mangé. Bien sûr, les raclettes, c'était encore meilleur, mais je parle sain. C'était mon premier repas sain du mois de décembre, je crois. D'ailleurs, je regardais mon mari, on se regardait dans le miroir de la salle de bain. On était nus et puis on était là, on se contemplait. On est dans un état pitoyable. On est, mais minable. C'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Des fois, t'es bien, des fois, un peu moins. C'est comme ça. Il faut prendre la vie comme elle vient. Bon, avant d'aller me faire une bonne douche, je vais vous donner mon dernier code promo de l'année. Donc, c'est aussi le dernier avant les fêtes de Noël, le code promo pour Henriette. Voilà, Henriette, je vous rappelle que c'est une superbe idée cadeau parce que c'est une petite idée cadeau à petit prix. C'est basé sur la personnalisation. Vous pouvez tout personnaliser, que ce soit une coque de téléphone, que ce soit un tableau, que ce soit les t-shirts, comme ça vous marquez ce que vous voulez, des dates, des surnoms, des prénoms, vous mettez un petit cœur, vous mettez un ballon, vous mettez des coupes de champagne, vous mettez ce que vous voulez. C'est basé sur la personnalisation, donc c'est une superbe des cadeaux, c'est une marque française. Donc je suis très fière de collaborer avec eux depuis plus d'un an maintenant, vraiment, et je suis vraiment... Ben, hyper contente parce que je sais que j'ai que des bons retours. Je vous laisse aller voir les avis aussi sur le site. Voilà. Ce qui est bien, c'est que personne n'a la même chose que vous. Bon, après, si tu marques best mum, oui, il y a des gens qui marquent best mum. Mais si tu marques, je sais pas, moi, par exemple, mon cher, si je l'appelle mon cher Z, il n'y a pas des gens qui appellent leur chéri mon cher Z, je pense. Et voilà. Et du coup, ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez tout personnaliser. Les tasses, donc celle-là, c'est celle que j'avais fait pour la fête des pères. Donc, soit vous avez des choses déjà prêtes dans les citations, soit vous pouvez mettre des choses personnalisées. Donc là, j'ai marqué mini moi. C'est ma tasse avec Yuen. Là, j'en avais mon mari. Celle-là, c'est une de mes préférées. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez personnaliser l'intérieur, vous pouvez personnaliser tout. Voilà, donc on adore personnaliser la couleur de cheveux, la couleur de peau. Vous personnalisez également les coiffures. Voilà, j'adore. Les tasses, c'est mon préféré. J'en ai une tonne d'ailleurs, je pense que ça se voit, j'adore. Mais sinon, après, il y a les t-shirts aussi que j'adore. J'en ai marqué Mylon et Lee Wayne. J'en ai marqué avec la date de naissance. J'en ai marqué avec Positive. J'en ai marqué avec Carpe Diem. Je me suis vraiment fait des kiffs. Celle-ci, c'est ma tasse préférée. Ouais, j'ai laissé traîner ma tasse de café. Celle-là, c'est vraiment ma préférée de toutes. Hein. Je l'adore. Famille Garcia, comme ça, celle-là, elle est incroyable. Vous pouvez faire aussi pour vos meilleurs amis, pour vos mamies, pour vos... Pour tout le monde, il y en a pour tout le monde et je vais vous montrer sur le site en tout cas. En tout cas, c'est mon dernier code promo, donc profitez, voilà, si vous voulez des t-shirts, des hoodies, des bonnets, enfin des... je vais vous montrer ça sur le site. C'est maintenant ou jamais, si vous voulez commander et recevoir avant les fêtes de Noël, c'est avant le 18 décembre. Voilà, comme ça vous êtes sûr d'avoir vos cadeaux Noël en temps et en heure. Livraison offerte des 40€ d'achat, donc c'est cadeau, profitez. Vous arrivez sur le site, ici vous avez Noël, les cadeaux pour, et vous avez tout le monde, les marraines, les mamies, les nounous, enfin voilà, des cadeaux pour tout le monde. Les avis clients ici que je vous invite à aller voir. Moi par exemple, je vais commander une broderie, donc pour tablier, juste mamie. Donc si vous voulez quelque chose. Je me suis foutu la seringue dans le nez ce matin et je me suis dit putain, mais comment mes enfants ils font pour tolérer ça tout le trois quarts de l'année, parce que le trois quarts de l'année ils sont tout enrhumés, me lavage de nez. J'ai essayé, j'ai appuyé, putain c'est c'est dur. Du coup, j'ai le spray nasal, c'est pas mal aussi. En fait, le problème, c'est que je ne peux pas. C'est impossible que je renifle pas. Genre, je peux y arriver pendant quelques secondes, mais d'un coup, je sens qu'il faut que je renifle. Donc, je suis désolée, c'est soit ça, soit je disparais. Mais comme je vous aime trop et que vous m'aimez trop, ben, vous allez me supporter à renifler un petit peu. Je renifle jamais le durant de l'année. En plus, je vous jure. Je dis à mon mari, il y a deux jours, je dis, nous, on n'est jamais malade et tout, genre, jamais on tombe malade. C'est vrai, c'est très rare. Alors oui, après, j'ai déjà été pas bien parce que je suis indisposée, etc. Le fer, les chutes de tension, mais ça n'a rien à voir. Genre, je parle de maladie, de bronchite, de machin, de grippe, et nous, on n'est jamais malade. J'ai dit ça deux jours après, écoute-moi, le karma, il m'a rattrapé. Il a dit, ah ouais, tu veux faire la malique, tiens, prends-toi ça dans ta gueule. Horrible. Mais c'est terrible, je suis désolée. J'ai une question à vous poser, savoir si c'est que moi ou si c'est tout le monde. Mon Instagram me propose que des posts d'il y a 2000 ans. Genre, mais des trucs, des scoops d'il y a 150 ans. Donc, je sais pas. Donc déjà, j'ai plus de crocs et de sapins de Noël, donc ça, c'est cool. Mais par contre, en plus, je me dis, c'est les trucs là où tu cliques parce que tu vas marquer « lui a dit ça, lui a... » Donc tu cliques, ça date de 2019, le truc. Je sais pas, il est repassé en 40 ans en arrière, mon Instagram feed, enfin... mur, tu sais, là où tu cherches les trucs. Genre, il n'y a rien de nouveau. Tout est vieux. Il n'y a rien de nouveau. Que du pourri.
Est-ce que vous aussi, ça vous a fait ça? Que, je sais pas, l'algorithme, il a peut-être bugué. Je m'en sors plus. Soit j'ai des boutons, soit j'ai des sapins, soit j'ai des crocs, soit j'ai des actus d'il y a 2000 ans. Jamais je suis à jour. J'arrive pas à être à jour, les gars. C'est trop dur. Non, sinon, je suis contente, semaine prochaine, mission ongles, voilà, pour avant les fêtes. Je pense que je vais faire un petit peu des flocons, quoi, vite fait, genre rien de bien fou. Et mission cheveux, je vais faire mes cheveux. Donc rien de bien fou, je vais juste refaire mon bandeau, une patine, mais je suis contente et je vais couper un petit peu encore. J'adore couper. Ce matin, je me suis fait un vrai kiff. J'ai acheté 2 bouteilles de Saint-Chor. J'aime tellement. Il y en a, ils se détestent. J'adore. J'adore. Avant, j'en buvais des litres jusqu'à qu'on me dise, mais il faut pas en boire des litres. Il y a du sel dedans ou je sais pas quoi. Et la dernière fois, c'est ma docteur qui m'a dit, quand t'as des baisses de tension, tu bois ça. Et bref, tout ça pour dire que je comprends pas comment on peut ne pas aimer. J'adore ça. Je suis pas une pub pour ceinture, hein, je vous rassure. Remarque, s'ils veulent me prendre, avec plaisir, j'adore. J'ai envie de dégommer mon frigo parce qu'il y a plein de choses qui me donnent envie. Attendez, on a fait des courses. Non, mais déjà, regardez tous ces délires là, des trucs. Regardez ce qu'on a acheté. Ah, ça, mais là c'est pas le moment parce que comme j'ai pas de goût, bah ça va être du gâchis, ça va être de la cellulite pour rien. Du coup, bah je prends sur moi et je me dis non, meuf, il faut que tu le boives quand tu vraiment tu kiffes. Donc j'ouvre mon frigo, je regarde et je referme à chaque fois. C'est horrible, je veux que le goût il revienne. Bah après, c'est rien, il y a tout le monde qui me dit ouais, c'est le Covid, les gars, il faut arrêter le Covid, ok, ça peut être le Covid, attention, je dis pas pourquoi pas, même si j'étais seule en haut d'une montagne avec Pagette, je sais pas, on a croisé personne, on était 4. 5, vraiment, c'était désert. Ça m'étonnerait, c'est juste que j'ai pris froid. En plus, je l'ai senti, j'étais sur le télésiège et je sentais le vent dans mon dos qui rentrait. J'étais glacée du dos. Je me suis dit, je vais me choper quelque chose, ça va pas louper. Allez, bon, faudrait que je m'active. Je suis désolée, je fais que vous parler. On dirait, je sais pas, j'ai même discuté avec vous. J'ai pas beaucoup discuté avec vous quand j'étais au ski, j'avais trop froid, je peux sortir mes gants. Et ça marchait pas, mon téléphone et les gants. Okay. On se fait un truc dégueu, il a dit. C'est pas notre anniversaire de mariage, aujourd'hui. De quoi? Le 16 décembre. C'est aujourd'hui. On est combien? Le 16 décembre. Sérieux? Je te jure. Oh merde, on s'oublie tous les ans. Sérieux? Bon anniversaire de mariage, mon amour. Bon anniversaire. J'y suis perdue. T'avais oublié? Moi aussi. Non, toi t'avais oublié, moi je vais t'y penser. Oui, tu vas t'y penser, t'avais oublié du coup. Bah non, si je vais t'y penser, c'est que j'avais oublié. Chérie, on est nuls. On n'y arrive jamais, il y a jamais. De toute façon, il y a trop d'anniversaires, rencontres, ensemble. Il n'y a jamais une année où on s'est souhaité notre bon anniversaire. Oh, on s'était mariés le 16 décembre? Oui, 2018. Voilà, exactement. Donc ça fait 5 ans qu'on est mariés? Ouais. C'est stylé. Tu ça. Kiffes? Ah, ouais. Ouais. Tu kiffes? Là, tu m'arraches la tête. C'est bon. Là, tu fais la meuf qui a pas mal, mais t'as envie de me chuter là. Ah non, pas du tout. Non, t'as une attaque, je suis. J'ai tout accepté. 5 ans qu'on est mariés, incroyable. Exactement. Et tu es heureux d'être avec moi? Complètement. Encore combien d'années tu veux? De la mort. Oh, j'adore. Bah, t'inquiète, je suis bientôt au bout là. On va faire avec nous le monde.